Youpi tout le monde, c'est Obscuranic, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la Obscur Clan. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du probable retour du marché noir sur Call of Duty Infinite Warfare. Ce sont donc quelques idées et hypothèses que j'ai récoltées moi-même, et je vais donc vous en faire part dans cette vidéo. La première raison que j'ai trouvée, c'est tout simplement que le marché noir était disponible sur Advanced Warfare pour la première fois, et il est ensuite réapparu sur BO3, mais cette fois-ci sous le nom de marché noir ou Black Market. Le marché noir est disponible sur Call of Duty depuis bientôt plus de 2 ans, donc pourquoi pas être une fois de plus disponible sur ce nouveau Call of Duty 2016. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a eu une fuite annonçant le retour des armes variantes comme sur Advanced Warfare, mais cette fois-ci sur IW. Forcément, si les variantes d'armes sont de retour, elles seront obligatoirement dans un marché noir ou quelque chose du même type, mais sous un autre nom. Ma troisième hypothèse concerne les futurs DLC qui sortiront sur le jeu. Call of Duty proposera à mon avis des armes DLC à débloquer pour que les joueurs ne se lassent pas du jeu et ont une motivation en plus pour pouvoir jouer en multijoueur. Donc cela revient au même, si une arme DLC venait à sortir, elle sera forcément disponible dans le marché noir en supply drops. À moins qu'ils les font payer pour les obtenir, ce qui serait de 1 complètement con et de 2 un peu démodé entre guillemets concernant Call of Duty. Et pour finir, ma quatrième et dernière raison, pour faire vivre le jeu beaucoup plus longtemps et donc augmenter sa durée. On va à nouveau prendre l'exemple de Advanced Warfare. Le studio Sledgehammer Games propose encore quelques armes disponibles en supply drops pour obtenir encore une bonne moyenne de joueurs sur le jeu. Je pense qu'ils remettront le marché noir pour faire le même système et avoir encore une bonne communauté malgré la sortie du prochain Call of Duty qui sortira fin 2017. Voilà les amis, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Pour le code PSN du jour, nous demandons les 600 likes. Dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi concernant ces petites hypothèses. Et je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, allez ciao bye bye, peace.